contente de vous retrouver dans un nouveau vlog 100% parisien, 100% travail, 100% influence. Je suis trop contente d'être ici, je suis chez ma soeur actuellement. Je suis un petit peu à la bourre, faut que j'accélère le pas. Mais en gros je suis arrivée hier soir à Paris, enfin hier en fin d'après-midi. Et j'ai passé la soirée du coup avec ma soeur. On s'est fait un petit resto et tout. Et ce matin voilà, je me suis préparée tranquillement. Là il est quasiment 14h. Et je pars du coup à mes petits rendez-vous. J'ai décidé de vous emmener avec moi du coup aujourd'hui et demain. J'ai plusieurs rendez-vous du coup. Là on commence aujourd'hui 14h30 avec un petit tatouage. C'est un salon de tatouage qui vient d'ouvrir, voilà, il a à peine un mois à l'heure où je vous parle. Et il s'appelle Pigment Studio, voilà, c'est dans le 11e. Du coup je vais aller me faire tatouer là-bas. Je vais vous emmener avec moi d'abord dans ce premier rendez-vous. En plus je trouve ça super cool parce que du coup il n'y a que des meufs qui tatouent là-bas. Le but de ce petit vlog c'est de mettre la femme entrepreneuse à l'honneur. Voilà, vous savez à quel point ça me tient à cœur et c'est des valeurs que je défends beaucoup dans sur mes réseaux, dans mes vidéos, etc. Et du coup là je voulais profiter de mon petit séjour parisien pour mettre aussi les femmes à l'honneur, les femmes qui entreprennent et voilà, qu'on puisse mélanger nos univers à travers cette vidéo tout en vous emmenant voilà avec moi dans un petit vlog. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir, que vous allez kiffer, que vous trouvez ça cool. Après ça je vais aller faire un petit tour au showroom Pretty Little Thing, voilà. Trop cool, j'ai trop hâte d'aller voir un petit peu des fringues, nouvelles co et tout, et puis aller au showroom quoi, c'est un trop bel endroit, donc je vais vous montrer ça du coup dans cette vidéo, je trouvais que c'était sympa, encore géré par des femmes. Ensuite j'ai mon rendez-vous pour mes extensions de cils, je refais mes extensions de cils, encore du coup par une femme qui a ouvert son petit studio de cils, son petit salon de cils, du coup je trouve ça trop cool, voilà, en tant que technicienne de cils ça me tenait aussi à cœur de soutenir des collègues en fait, donc de vous trouver aussi une bonne adresse sur Paris. Je trouve que c'est cool parce que je suis aussi beaucoup suivie à Paris. On termine la journée avec un event, donc avec la marque Emma et Chloé. C'est une marque de bijoux en acier inoxydable. Vous savez, c'est les box mensuels de bijoux en acier inoxydable. J'adore cette marque, encore des femmes. Et donc là, il y a un événement pour la sortie du calendrier de l'Avent. Du coup, voilà, un petit événement de Noël et tout. Je trouvais ça trop sympa et pareil, je voulais vous le partager dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Je vous emmène avec moi aujourd'hui dans tous ces petits rendez-vous. C'est parti.
aujourd'hui j'ai juste un seul rendez-vous avant de rentrer à Angers. Un nouveau petit tatouage, et oui je suis trop contente. Un nouveau tatouage avec la Mom Indigo. Vraiment une tatoueuse qui a l'air trop trop cool. J'aime trop son travail sur Insta. On va aller se faire un petit tatou en bas du dos. Voilà, je vais me tatouer un petit truc en bas du dos. Vous allez voir, c'est très sympa. On reste dans ma petite note spicy. Avec le petit piment. Regardez, ça c'est la nouvelle veste que j'ai prise chez Pretty Little Thing hier. Franchement je l'aime trop, elle est trop trop belle. Ces bottines là, franchement elles sont trop belles. Des chaussures de Barbie. C'est vraiment des chaussures de poupée. Une robe argentée de soirée qui se noue dans le dos. Alors celle-ci je l'aime trop, vraiment j'adore cette petite robe. Je la trouve vraiment trop cute. C'est une robe bustier à volant. Donc ça me fait un peu penser aux tenues un peu universitaires. Petite jupe un peu patineuse, franchement trop mimes. En tout cas du coup pour revenir sur la journée d'hier, franchement c'était une journée trop trop cool. Mais alors d'un rush de fou malade en fait. Genre j'ai pris un petit peu de retard à chacun de mes rendez-vous. Ce qui fait que bah, c'était bordel en fait. C'est vrai qu'on a profité à peine une heure à la soirée. Mais c'était très sympa pour les calendriers de l'Avent. D'ailleurs je suis repartie avec. Donc je vous montrerai tout ça petit à petit sur Insta Story au mois de décembre. Mais très sympa, bonne ambiance, voilà, très très cool comme petite soirée. Par rapport aux extensions de cils, bah, j'espère que vous aimez bien. C'est un volume russe du coup naturel qu'on a fait parce que j'en avais marre d'avoir un gros volume russe intense. J'en avais un peu marre, je trouvais que ça m'alourdissait l'œil. Et là je trouve que du coup c'est mieux, ça ouvre plus mon regard, c'est plus naturel. Donc franchement ça me convient très bien. En plus elle est porte de Clichy donc c'est quand même assez accessible je trouve, bah, c'est à Paris quoi. Alors qu'il y a beaucoup de techniciennes qui sont plutôt en banlieue. J'ai eu du mal à trouver une adresse sur Paris qui soit accessible niveau prix et en même temps qu'il fasse un beau travail quoi. Ensuite bah, le rendez-vous d'avant c'était Pretty Little Thing, le showroom, donc toujours un plaisir d'avoir toute la collection Noémie Campbell, donc trop cool, trop beau, même si je n'ai rien pris de cette collection finalement. Après bah, le reste c'était la collection actuelle chez PLT, mais franchement trop trop cool. Dernier petit rendez-vous, petit tatouage et après on rentre à Angers. Voilà. Je dis ça à tous mes clients même quand c'est leur 10e tatouage. Bon, ceux qui reviennent, en général, je leur refais pas tout le topo. Ouais, nickel. C'est pas du tout mal. Cette zone-là, ça va. On m'a dit que si je voulais un enfant pour la péridurale, les tatouages dans mon dos, c'était... Là, c'est assez bas, normalement. Ouais. Ouais, c'est assez bas. Parce qu'il y a eu des études qui font que... En vrai, ils peuvent très bien, en fait... passer un tout petit coup de scalpel s'ils ont peur d'emporter du pigment dans la colonne. Ouais. Et piquer ensuite, mais ça me fait chier en fait d'utiliser du matériel. Voilà, je vais te mettre encore un petit mousse pour nettoyer. Est terminé. En vrai de vrai ça fait 2 semaines que je suis rentrée et du coup j'ai pris un petit peu de recul aussi pour pouvoir vous reparler un petit peu de ce que j'ai pu faire. Notamment je vais juste vous parler des 2 tatouages et de mes extensions de cils parce que le reste bah, c'était des moments à l'instant T. Mais voilà, vous reparler un peu de la cicatrisation des tatouages et de la tenue des extensions de cils. Ça tient plutôt bien, juste il y a un œil où j'en ai perdu plus que d'autres. Genre cet œil là j'en ai moins que là. Et en fait je m'en veux parce que je vous ai pas montré de près la pose quand elle a été faite. Vous voyez, il me reste tout ça quand même sur cet œil là. Donc voilà, après il faut savoir que moi j'ai vraiment pas beaucoup de cils de base. Donc forcément elle a pas mis énormément de bouquets non plus. Si vous avez plus de cils que moi, vous aurez un rendu un petit peu plus chargé et qui tiendra du coup mieux. Moi j'ai plus vite des trous parce que bah du coup j'ai pas beaucoup de cils, donc voilà quoi. Bref, donc en vrai je suis contente de cette pose.
Franchement ça tient plutôt bien, les bouquets sont beaux. Mes cils ont bien poussé, ça a été bien fait, bien collé, ça a bien tenu. Et quand je perdais des bouquets et tout, je prenais le temps de regarder si c'était collé entre eux, si j'avais des cils qui étaient collés à la base du bouquet, etc. Et non, ça a été, enfin le travail d'isolation a été super bien fait. Donc il n'y a pas eu d'extension collée entre elles, de cils du coup arrachés par l'extension, etc. Ensuite, pour ce qui est de mes tatouages, du coup, alors celui derrière l'oreille, enfin en fait mes deux tatouages sont en train de cicatriser, donc du coup le résultat là il n'est pas terminé, mais c'est vrai que je pense que celui-ci il va pas bien tenir. Je suis un peu deg, je vais vous montrer de plus près. Après je vois, j'ai du mal à voir en fait de moi-même parce que j'ai un peu clairement mon oreille qui cache. Je pense que ça me ferait trop chier qu'il s'efface. Parce qu'il est trop beau, je l'aime trop, je l'adore. Mais c'est vrai que, je sais pas, peut-être l'encre rouge fait que ça va peut-être moins bien tenir. Je sais pas, après encore une fois, le travail de cicatrisation est pas terminé, donc j'attends encore un peu. Et après pour celui qui est ici, bah il m'a l'air quand même nickel pour le coup. Je sais pas si vous verrez bien. J'en viens à penser que l'encre rouge cicatrise peut-être moins bien que l'encre noire. Donc voilà, mais ils sont trop beaux ces tatouages, franchement je les aime trop trop trop. Donc j'espère qu'ils vont bien vieillir, je pense qu'on s'en rendra mieux compte dans quelques semaines encore. On a fait le tour de ce vlog, j'espère que vous avez kiffé autant que moi. Vraiment trop contente de ce petit séjour parisien, franchement des fois ça fait trop du bien d'aller à Paris, faire ses petits rendez-vous et tout, et ensuite revenir à sa petite vie normale avec ses repères et tout, mais genre sortir de sa zone de confort comme ça, franchement c'est grave cool. Je vous mettrai toutes les infos de chaque personne en barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à toutes ces personnes de m'avoir fait confiance et d'avoir travaillé avec moi sur ce concept, sur cette vidéo là, c'était vraiment trop cool. Et j'espère que vous leur donnerez de la force de soutenir comme ça des gens qui entreprennent, qui font des trucs trop trop cool et qui sont passionnés, franchement c'est trop important. Donc voilà, je compte sur vous pour leur donner au moins de la force, et si ce n'est même les contacter pour un projet extension de cils ou tatouage, ce serait trop chouette. En tout cas voilà, je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite, très très vite pour la prochaine. Mouah.